Coucou. Alors, petit tuto aujourd'hui pour un, enfin, un tuto d'un album vintage. Vous verrez au fur et à mesure des décorations. Je monte déjà toute la base en fait. Au départ, je n'étais pas partie pour le filmer parce qu'en fait, pourquoi ces dimensions? Ces dimensions correspondent à une boîte DVD pour glisser l'album dedans. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas dit que, enfin, vous pouvez le refaire. Ou alors vous pouvez l'adapter en fonction des boîtes que vous avez. D'accord? Moi, ces dimensions-là correspondent à la boîte. Alors, on est parti. Oui, les post-it. Où je mets et j'explique. Donc, il nous faut pour cet album beaucoup, beaucoup de ce bloc-là. Limite, je suis en train de. Sur un album, j'ai enlevé toutes les craftes et. Enfin, cet album. Ce truc où il y a plein de feuilles. J'en ai déjà utilisé 3-4. Sachant qu'il vous faut 3 feuilles pour la structure. La structure, ce n'est pas une reliure en U. C'est ce qui est intéressant dans ce. J'ai déjà commencé à en monter, mais. Ce qui est intéressant ici, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est votre feuille A4. Classique. Enfin, je vais essayer d'en attraper une, mais forcément, les deux sont encore liés. Donc, c'est votre format classique. J'ai juste coupé sur 20 cm puisqu'elles sont sur 21. Donc je vais vous dire les chutes de cet album-là. Concrètement, là j'en suis à ça. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites chutes. Donc je vais les garder pour refaire soit des trucs déchirés, soit des coupes dedans. Et les découpes, du coup, je les rajouterai en embellissement. Enfin, pour l'instant, je ne sais pas encore où on va. Alors, cette feuille-là, votre feuille classique, vous la prenez, vous la pliez pour. Enfin, vous faites un pli à 14, un pli à 15, et après vous découpez le centimètre qui reste. D'accord? Ce qui fait que concrètement, ça vous fait 29 sur 29 centimètres. 1 centimètre en haut sur. Enfin, vous coupez 20 sur 29. Les 1, 2, 3, 3 feuilles d'origine. 3 feuilles de base. D'accord? Sur ces 3 feuilles, vous faites donc 14, un pli à 1 centimètre. Re 14 cm, d'accord. Pour la deuxième, vous faites un pli à 14, vous faites un pli à 14,6 et vous remettez 14. Ça fait 28,6. 14, 14,6, vous marquez un pli et donc jusque 28,6. Ce qui vous fait une tranche, un pli U plus fin à l'intérieur. Ça sera votre deuxième page et votre dernière page de deux, la troisième, vous faites à 14, à 14,3, on va dire, histoire de dire qu'il y ait vraiment un tout petit jeu sur la dernière et puis que vous ayez quand même une bande correcte pour plier. 14, 14,3, 4, comme vous souhaitez, et donc vous rajoutez 14 au bout, soit 28,4 ou 28,3, sont ce que vous avez choisi. Ça, une fois que vous avez votre U qui est fait par la pliure de 1 cm, de 0,6 et de 0,3, 0,4 comme vous voulez, vous collez. Attends, ça c'est embêtant. J'ai gardé pour vous montrer la suite, mais voilà. Vous les collez ensemble. Hein. C'est ça qui fera votre U. Sachant que là, il y a une page qui a moins, où il y a, qui a, c'est pas français. Où il y a moins d'espace entre les plis. Mais c'est pas grave, vu qu'on va mettre, enfin moi personnellement je vais mettre du volume sur certaines pages, c'est bien aussi qu'il y ait des pages toutes simples, toutes plates, quoi. Voilà, ça c'est la structure de base. Là-dessus, on va refaire des poches, enfin des pochettes, des rabats. On a le premier rabat qui se met sur la deuxième page parce que là vous avez un gros écart. Ça correspond à une feuille de 18 sur 13. Pourquoi sur 13? Parce que vous faites un pli de 1 cm. Donc concrètement, vous aurez du 18 sur 12. D'accord? Voilà. Ça correspondra à ce rabat-ci. On va les coller ensemble après, hein, c'est pour vous dire. Et ensuite, vous faites. J'aime bien quand c'est des albums, j'aime quand même bien que ça se réponde. Que ça fasse pas trop déséquilibré. Voilà. Ensuite, vous coupez dans une feuille craft de nouveau sur 16 de hauteur, sur 11. Sachant que vous perdrez, vous faites un pli à 1 cm pour faire le rabat.
d'accord, ce qui vous donne ceci. Il faut que vous ayez collé. C'est un album qui va nécessiter beaucoup de papier de base. Parce que moi, j'ai décidé de refaire après à chaque fois un matage crème que je passerai à la vintage sépia. Et donc, du coup, je vais faire un matage. Vous pourrez partir de votre craft ou d'autres choses et directement votre papier décoratif aussi. C'est parce que moi, je veux, voilà, je veux qu'on voit bien et que je vous montrerai après. On n'est pas obligé d'avoir des grandes collections. C'est-à-dire que moi, c'est une toga que j'avais commencé. Il me reste 3-4 feuilles. Elles sont toutes dans des styles différents. Donc, par conséquent, j'ai pas beaucoup, beaucoup de feuilles. J'ai que 3 grandes 30-30. Vous imaginez avec tout ça. Donc, c'est comment on va faire, comment on va compléter avec de l'action dans les mêmes teintes, etc., etc. Ou en tout cas, dans le même esprit. Voilà. Là, on est à là. On en est à là. Vous êtes d'accord? Donc, on va reprendre sur la dernière page, puisque c'est celle qui a le même écart là par rapport à la reliure et qui nous permet donc beaucoup d'accordéons parce qu'il y a cet espace là. On va prendre les deux fameuses découpes qu'il y a devant. Alors là, j'ai pris des... Oui, ça fait le bazar, hein, mais justement, c'est pour pas chercher, pas qu'on perde de temps. Toutes mes pinces, parce que le craft, j'ai remarqué quand même qu'avec la colle blanche, ça a des fois du mal à prendre. Je ne sais pas pour quelle raison. Quand c'est du craft épais comme ça, le carton gobe un peu et du coup, on est coincé. Alors, je veux cette fois-ci que ça soit collé ici. Donc, je prends ma colle. La UU bleue, mais là, ce que vous voulez. Celle-là, je l'aime bien, je vous l'ai dit, parce qu'elle est gel. Donc ça, ça correspond... Je crois que j'avais vu, je pouvais faire... à chaque fois sur une feuille, je peux faire les deux rabats. Voilà. Hop. Je referme parce que reste que ces colles-là, elles coulent. Alors voilà. Hop. Coule moins que la liquide, mais elle coule quand même. Et je place mon rabat. Alors j'insiste bien parce que je vous dis, je vérifie que là j'ai autant de distance entre là et là, à peu près. Et je place tout de suite pour que ça prenne les pinces. Ça, alors je m'en suis équipée hein, petit à petit, il y a des lots pas chers, hein, vous trouvez ça même au foire-fouille et où vous voulez. Sachez qu'au début, j'avais pas ces pinces croco-là, qui sont quand même très pratiques et qui ont quand même une capacité de bien, bien serrer, en fait, une fois qu'elles elles sont mises, elles servent vraiment bien, quoi. Mais, il fut un temps, du coup, j'avais des vieilles pinces à linge à moi, hein, qui ne me plaisaient pas parce qu'elles faisaient des traces sur mes vêtements. Ben voilà, quoi. C'est ça qui m'a servi avant d'avoir tout un lot pas cher, je sais pas où. Ensuite, je reprends le dernier qu'on a fait, 16 sur 11, sachant qu'il y a un centimètre. Attends, du coup, c'est peut-être 16 sur 11. Ah, je vous dis des bêtises, c'est 16 sur 12. Et je plie à 1 cm pour que ça fasse 11 cm. Enfin, même 16 sur 11. Vous pliez, vous faites votre rabat et voilà. Voilà. Je mets de la colle. Même concept. Je prends les pinces et j'attends. Et ensuite, on y revient. Enfin, on y revient. On va pas y revenir tout de suite tout de même. Comme ça, on a la base. Qui est faite, vous voyez, elle est très simple, trois feuilles et après c'est des rabats. Après c'est comment on arrivera à rhabiller ça. Bon, moi j'ai trouvé quelque chose que j'ai chiné, mais ça peut vous donner une idée de, pour faire des choses en fait. Vous aurez peut-être pas la même chose que moi, mais bon, je pense que j'en fais une deuxième vidéo d'ailleurs. Hop, ça, ça vous fait des petites vidéos parce que tout est déjà préparé, calé. Voilà. Ouais, ben, je ne peux plus fermer. Ah, c'est malin. Je vais dire, on recommence pour vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est que pendant que ça prend, je vais couper. Je vais déjà mettre de la vintage sépia, mais alors surtout tous les bords de toutes les pages. D'accord? Ça a beau être du craft,
Il faut un aspect, enfin, à mon sens, pour faire du vintage, il faut l'aspect fumé. Je vous dis pas la Versafine, vous pouvez avoir la Riche Cacao, Memento, enfin voilà quoi. Faites avec vos couleurs, à moins que cet album-là vous le refassiez et pas du tout en vintage. C'est pareil. Moi je vous montre ça, mais donc je coupe. Pendant que ça prend, je vais faire la vintage sépia et on revient pour avoir la base tous ensemble et je vous explique quel est le deuxième élément que je vais mettre au milieu. À tout de suite. Alors ensuite, on va faire un accordéon pour les pages intérieures. D'accord? Je m'explique tout de suite sur la page là et ensuite on prendra ce qui va me servir de etc. etc. Je fais un accordéon en 3. D'accord? Sauf que, attendez, je suis en train de réfléchir. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, je prends une feuille A4, hein, je la coupe en deux. Sur, par contre, j'avais pas noté 11 cm. Le pli, c'est 11 cm sur 14, d'accord? Donc, et vous verrez, là, il va vous manquer un bout. Là, il manque un bout. Donc, ce qui compte, c'est un pli à 11 sur 14. Vous coupez votre feuille en deux sur 14. Vous faites un pli à 11, ok? Là, idem pour la deuxième. Il s'avère que là, il vous manque, vous voyez, à peu près environ 1 cm. C'est pas grave. C'est jamais grave avec moi. Mais voilà. Sur la deuxième, faites 11, un pli à 11 sur 14. Et là, vous coupez un peu plus court. Moi, j'ai laissé 5 cm. Ça va me servir à faire une pochette dans laquelle on pourra mettre des choses, des tailles, des... j'en sais rien. Je ne suis pas encore au point avec l'idée. Je suis juste en train de me dire que j'aurais aimé que ça soit dans l'autre sens. Ouais, on la fera comme ça. Bon, on est d'accord. Là, on va attraper de la colle. Et alors, je vous ai dit, il manque exactement, c'est ça, il manque 1 cm. Donc, je place, j'ouvre ma cartonnette en deux, celle qui est sur 11 cm, je la place avec le centimètre qui manque. J'attrape de la colle et je fais une pochette. Attendez, je réfléchis. Si c'était ça mon idée. Et on mettra du washi pour combler la différence. Enfin, moi je mettrai du washi. Après, vous pouvez mettre du galon, de la dentelle. Vous verrez quand ce sera fait, d'accord? Après, sur 5 cm. Puisque j'ai dit que ça faisait un rabat de 5. Voilà. Ah ben, je l'ai bougé. C'est malin. Voilà, j'attrape et je colle. Ouais, c'est même sur 4 cm. C'est pas grave. Hop, hop. Je vais vous montrer le type d'accordéon que ça fait ensuite. Si avant il faut mettre les fameuses petites pinces pour que la colle elle prenne 2 secondes. Là-dessus, je vais vintageiser tous les bords. D'accord? En attendant que ça prenne. Et là, ça vous fait du coup une petite pochette dans l'accordéon. Et je vais vous montrer à quoi, enfin, comment moi je vais utiliser cet accordéon. C'est-à-dire que j'ai trouvé ceci. Je ne vous montre pas encore l'illustration. Ça, je vais la rhabiller avec du fameux papier crème. Et là-dessus, on collera notre accordéon. Voilà. Donc, je fais le vintage. Je vous présenterai bien l'album fini avant, mais le problème de présenter l'album fini avant, c'est que voilà, ben on voit l'album fini quoi. Il n'y a pas de surprise pour la personne qui reçoit. Donc ça comme ça. Sinon là, je verrai. Hein. Je remettrai certainement quelque chose là. Là, ça serait que fait mais pas ce côté-là. Ma vintage sépia, je crois que je l'utilise tellement à toutes les sauces que je crois qu'elle est quand même fichue parce qu'avant mon applicateur, j'avais pas l'impression qu'il fallait que je le recharge autant. Donc je crois que de toute façon, là, c'est même plus une histoire d'investissement après. C'est une histoire d'amour avec cette encre, la couleur de cette encre, etc. etc. Donc c'est même pas, faut que je réinvestisse. Non, 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 non.
c'est un renouvellement d'une encre que j'adore par-dessus tout. Donc, quand vous avez un pli et que c'est déjà collé comme ça, vous voyez, vous faites ça. L'idée, c'est de marquer le pli. Donc, quand les papiers vont se remettre dessus, voilà. J'aurais pu, comment je vais vous dire, j'aurais pu coller, mettre de la colle pour que la pochette, en fait, elle soit, je sais pas si on voit ce que je veux dire, comme ça, pour que la pochette, elle soit collée. Mais je vais mettre du washi et à un moment donné, c'est juste à titre décoratif et parce que c'est un rattrapage déjà de papier qui ne fait pas la dimension. Du coup, j'improvise une pochette. Voilà. Voyez, là, la pochette, elle est là. Mais dedans, je compte pas y mettre du volume. On va mettre un tag et puis voilà. Voilà. Là, pour ça, on y est. Juste que je réfléchisse comment je veux que ça s'ouvre. Comme ça. Donc, je reviens. Oh, j'aurais pas dû mettre de l'ancrage là-dessus. C'est pas grave. Voilà, sur cette petite planche en bois, derrière, il y a un motif. Hein. J'ai été chercher un vieux, dans le 30-30, je crois, c'est celui qui me servira à combler entre les papiers que je n'ai pas, de la le vintage sépia, mais alors qui date sans blaguer, d'Halloween, mais il y a peut-être 2 ans, parce que comme vous voyez, derrière, c'était des fausses étiquettes Halloween que j'ai usées, archi-usées dans tous les sens. Et d'ailleurs, je ne peux plus voir parce qu'à force de mettre ça partout pour Halloween, à un moment donné, il était temps que je termine ce bloc. Donc, vous voyez, je sacrifie, mais aisément. Voilà, voilà. Tadam, je rhabille. Allez, on va vintageiser un petit peu. Quand même le papier, histoire de dire. Ouais, vous avez vu ce qu'il y avait en dessous? Oui, bon. Ça va être un thème vintage, Paris, choses comme ça. Vous le dis. Donc c'est des petites plaques en bois que j'ai trouvé voilà, chez Nose qui vont me servir pour l'album. Donc j'explique. Nous avons la plaque. Donc ça vous pouvez trouver mais n'importe quoi. Ça peut être une image que vous cartonnez et tout ça. Moi c'est un bout de bois mais par contre où est l'album? C'est pour ça que j'ai laissé un jour là, sur celle du milieu qui est de 4 mm ou un truc comme ça. Parce que vous voyez, voilà, ça va s'ouvrir comme ça. La plaque, elle va s'ouvrir sur l'accordéon en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'accordéon. Donc simplement, je voulais, j'ai oublié de vous le dire aussi, les mesures. En fait, les mesures, voilà. Attends. Je veux que ma pochette elle soit et quoi que je fasse elle est au milieu, elle est pas là, j'aurais dû le coller dans l'autre sens. Bon c'est pas grave, on s'en fiche. Allez, voilà, ce qui fait que quand elle s'ouvrira, non d'ailleurs je veux pas que ça s'ouvre comme ça, ça s'ouvre sur l'intérieur, j'aurais aimé que ça s'ouvre sur l'extérieur. Moi il va me manquer un rabat. Je suis désolée, ça y est, le tuto part en cacahuète. Mais c'est parce que j'ai tout dans ma tête, mais après, bon, on verra. Tant pis, s'ouvrira dans ce sens-là, ça peut le faire aussi. Bah oui, comme ça et comme ça, si je suis bonne. Avec la pochette là en dessous. Donc, là par contre, je note bien que c'est comme ça. Je regarde bien le sens de ma tour Eiffel et je mets de la colle et je colle. Bravo. Bravo Audrey, c'est bien. Et la colle, c'est pas pour la laisser sécher, c'est forcément pour coller. Alors, à une époque, j'avais réfléchi à peut-être aimanter. Mais vu le poids de la plaque en bois, il n'y a pas besoin. Sinon, il suffit d'aimanter. Enfin, on verra. Peut-être que j'aimanterai quand même. Franchement, je sais pas. Peut-être, mais comme il y a de l'épaisseur de toute façon l'aimant, même si je l'aimante, ce sera pas là. Parce qu'il y a de l'épaisseur de craft, il y a le bout de bois, il y a le truc. Donc on va tricher. Au pire, si je l'aimante, je mettrai un aimant ici. Et un aimant sous l'autre page, ben, au même endroit.
Mais même là, vous voyez, il y a tout ça d'épaisseur de cartonnette craft. Je ne suis pas bien sûre du résultat. Voilà pour ce qui concerne la constitution de cet album. Qui, à mon avis, pourra quand même une. Et encore, je ne sais pas ce que je ferai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y a un accordéon avec 5. Donc 8, 5, 12, 13, Audrey, c'est bien. Non, 12. 13. Oh, non. 13 photos. 8 plus 5, 13. Là, il n'y en aura peut-être qu'une petite. On est d'accord. Mais de toute façon, il y a l'épaisseur qui est tenue par la planche de bois. Donc je peux pas m'amuser à faire autre chose, quoi. Là et là. Donc ça fait un état 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 là. Voilà. Et il est déjà plutôt costaud. Et à l'intérieur, nous n'avons encore pas fait le matage. Là, je vais faire un matage crème. Je vous donnerai les dimensions. Je ne vais pas filmer le matage crème. Parce qu'en fait, je vais couper des feuilles crème, du cardstock crème. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, du carton scrape. Je suis fatiguée, vous avez vu? Card stock. Ou en gros, du carton. Non, du cardstock crème. Comme ça, de ces blocs-là, linen, machin, chose. Voilà, je vais découper. Je vais vintageiser chaque bord. Et je vais mettre avant, après, de remettre. Enfin, avant, après. Avant de placer la jolie collection, j'ai pris le temps des secrets de Toga, qui est soit à moitié vintage Paris, soit à moitié steampunk, enfin engrenage métallique, tout ce que j'aime. Donc là, j'ai décidé d'en faire un Paris, puis après, j'en ai conservé quand même quelques-unes et des engrenages et des belles horloges, parce que c'est pire que moi. Et voilà. Donc pour l'instant, on en est là. D'accord. Donc le prochain qui ne sera pas un tuto, vous ne verrez pas, quoique. Hey, mais s'il faut reprendre les mêmes dimensions que moi, mais le matage crème, en fait, là, c'est du 20 sur 14,5, donc du coup, ça fera du 19 sur 13,5. Je réduis d'un centimètre à chaque fois, en fait. Comme ça, ça vous permet de mater de 0,5 sur 0,5. Donc là, le matage crème, on va le faire comme ça de tête. C'est là qu'on va se marier, je vais encore me gourer dans les calculs. Là, vu que c'est 20 sur 14,5, ça vous fait donc 19 sur 13,5. Ça, il vous en faut une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et il en faut quand même pas mal. Hein. 11, 12, 13. Il vous faudra 13 pour si vous faites en matage. 13 de 19 sur 13,5. D'accord? 19 sur 13,5 puisque la couverture c'est 20. 19 sur 13,5. Ou vous notez tout de suite ces trucs-là pour faire avec directement votre papier de la collection. Moi, je préfère faire un matage. Alors, je vais le noter tout de suite, ce qui m'évitera tout à l'heure, là, en off de crème, je vais écrire. De refaire les calculs une fois que j'aurai éteint la caméra pour mettre les crèmes. Là, il vous en faudra 4 comme ça, parce que celle-là, elle est. Il y a une fois là et une fois en dessous. Enfin, à la fin. Donc, 4 comme ça, niveau matage. Désolée, les pompiers, j'habite pas loin d'une caserne. Matage, on a dit de celle-là. Qui fait 18 sur 13. Donc, du coup, ça veut dire de 17 sur. Alors, c'est peut-être pas 13. Parce que du coup, elle doit faire 12. Non, 17 sur 13. Ah oui, j'ai oublié. Mince, je vous ai donné une dimension qui n'est pas bonne. C'est 17 sur 14. Ce franc 18, ça c'est 18 sur 14, puisqu'à chaque fois il y a un centimètre de sacrifié pour faire le rabat. Donc ça, il y en a 4 comme ça, c'est donc du 17 sur 12, puisque là ça c'est sur 13. 14, le rabat, il y a un centimètre qui est condamné pour le rabat, là ça c'est sur 13, donc du coup pour faire un matage sur 12. Là, ça il vous en faudra 4, puisqu'il y a cette pelle-là et celle qui est derrière. Celle-ci, qui est du 16 sur
12 parce qu'il y a un rabat, sinon c'est du 16 sur 11. Du coup, ça fera du 15 sur 10. En matage crème. Ou en matage crème, ou directement avec votre papier déco. Je rappelle que c'est vous qui voyez. Là, c'est pareil, l'accordéon que j'ai fait là. Il est très joli, c'est pas le problème. Il est fait en fonction de ça. Voilà. Si j'avais pas cette plaque-là, ça aurait peut-être une autre dimension. Donc, l'accordéon. Il me sert bien le bloc-notes que j'avais acheté pour vous, là. Alors, ça doit être du 11 en mémoire. Oui, 11 sur 14, ça y est, j'ai retrouvé. 11 sur 14, voilà. Donc, ça veut dire 11 sur 14. Un matage de... Je revérifie quand même bien, parce que ici, c'est ça. Donc, de 10 sur 13. Ouais. Mais en crème. Et donc ça, il vous en faudra 1, 2, 3, 4. Puisque là, ça, enfin, je me ferai peut-être un matage crème aussi, mais ça dépend de vos dimensions. Voilà. On en est là. Moi, je vais faire ce matage crème pendant que la vidéo charge. Et on se retrouve après pour la déco. En tout cas, moi, ce que j'ai en tête... comment je vais redécorer avec bah, des découpes vintage, machin, etc. pour cet album photo-ci. Je vous souhaite donc une bonne journée et en avant pour moi le matage crème. Bisous!